Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous en avez marre de votre situation et vous voulez devenir riche facilement. Super, vous êtes au bon endroit. À travers cette vidéo, je pense que je pourrais choper les faibles d'esprit, cette jeunesse paresseuse, cette jeunesse-là même qui ne veut plus fournir d'efforts. Tout ce qu'ils font, aller sur Internet, taper "je veux devenir riche facilement" ou soit "comment devenir millionnaire à partir de rien". Cette jeunesse-là même qui veut toucher le ciel sans sauter. Jeunesse de Facebook. Jeunesse d'Internet. Sachez très bien que tout a été fait pour que votre cerveau soit hébergé sur les satellites. Aujourd'hui, il suffit juste de couper Internet pour un an. Il y a beaucoup de personnes qui vont être privées de leur intelligence parce que sans Internet, les gens ne sont rien. Ben oui, évidemment, c'est bien, c'est fait, c'est un truc qui a été mis en place pour rendre les gens très paresseux. Mais bon, on ne va pas rentrer en détail. Le but du sujet aujourd'hui, normalement, le titre de cette vidéo devait être Arnaque A à Z dans le monde du trading. Mais si je mets ça, je sais que vous n'allez pas cliquer. Vous aimez bien regarder les vidéos où on vous met comment devenir millionnaire à partir de 100 euros, ou bien avec 50 euros, puis-je devenir tant. Donc, vous aimez bien des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ce titre-là, j'ai choisi ce titre, pour pouvoir avoir le maximum de personnes ici. Écoutez-moi très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser juste une question. Qui avez-vous vu dans la rue en train de poursuivre les gens parce qu'ils veulent leur remettre de l'argent? Ou bien même vous, est-ce que quelqu'un vous a déjà poursuivi dans la rue juste parce qu'il veut vous donner de l'argent? Oh, c'est quand même fou, hein? En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Même si vous avez un compte en banque, est-ce que votre banque s'est déjà trompée un jour pour vous virer ne serait-ce que 5 euros? Non. Je pense pas. Donc, vous devez comprendre que personne ne va vous poursuivre dans la rue et vous remettre gratuitement de l'argent. Dans ce cas, pourquoi sur Internet on arrive à vous poursuivre pour vous remettre de l'argent et vous vous arrêtez, vous voulez prendre cet argent-là? Il faut être un faible d'esprit. Il faut être vraiment un jeune qui aime vraiment la facilité. Maintenant, vous qui voulez devenir millionnaire en trading, suivez attentivement cette vidéo et surtout faites-la circuler. Donc, parlons maintenant de tout ce qui est manipulation dans le monde du trading. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une chaîne alimentaire où le plus gros mange le plus petit. Donc, quand je dis le plus gros, ça va être les grandes institutionnelles, donc les hedge funds, les grandes banques, vont manipuler aussi le marché, eux. Ainsi de suite, jusqu'aux petits formateurs. Donc tout ça, je vais détailler point par point pour que vous sachiez à qui vous avez affaire désormais sur Internet. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va avoir d'abord, dans un premier temps, les fake news. Les fake news, c'est quoi? Ben, ça va être simple, hein, quand je parle de manipulation du marché. Donc les grands, ils ne vont pas venir faire bouger le graphique ou soit dire au courtier, ben, faire monter le marché. Non. Si le prix est, par exemple, à 2 euros aux États-Unis, au même moment, le prix est à 2 euros, par exemple, en Afrique, en Chine et tout ça. Donc, on ne peut pas manipuler le marché comme ça. Mais on peut faire en sorte que ce prix puisse atteindre 3 euros. Ça, c'est une façon de manipuler le marché. Admettons, par exemple, quand je parle de fake news. Donc, je prends un exemple simple. Une grande entreprise va peut-être se mettre en position sur le CAC 40, en train d'acheter ou soit en vendeur. Et à un moment donné, ils vont constater que le prix est en train de descendre, alors que eux, par exemple, ils achètent. Et quand c'est comme ça qu'une grande entreprise, ils ne peuvent pas risquer autant de milliards pour rien. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont simplement se saisir, ben, des médias pour faire glisser une petite information qui va pousser tous les petits traders là à acheter. Parce qu'ils ont entendu, par exemple, BFM ou soit sur un site comme quoi le CAC 40, par exemple, va prendre de la valeur. Et du coup, les gens veulent anticiper, ils vont vouloir acheter. Et quand ils vont acheter, eh bien, cette grande entreprise va voir le prix, le cours monter. Eh bien, du coup, eux, ils pourront sortir sans perte. Ça, c'est une façon de manipuler le marché.
parce qu'ils ont trompé, tout le monde a acheté alors que le prix était en train de descendre. Donc ça, c'est ce qui est pour les fake news. Après les fake news qu'on peut utiliser pour manipuler le cours du marché, on va avoir ce qu'on appelle le spoofing. Le spoofing, ça va être le fait de proposer des ordres et de les annuler aussi rapidement possible. En fait, ça va être des ordres que les gens verront, c'est-à-dire que ceux qui traînent dans le carnet d'ordres et tout ça, ils vont voir des entreprises qui vont proposer d'acheter, par exemple, on va dire 500 contrats ou même 5000 contrats d'un titre, et à un moment donné, pap, avant que ce contrat ne soit validé ou ne soit exécuté, vous allez voir, ce contrat va disparaître. Donc, et ça, le fait que les gens aient vu déjà que quelqu'un se propose d'acheter autant de contrats, ça va les pousser à vouloir acheter. Et du coup, eux, ils vont commencer à anticiper à acheter. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ben, ces contrats-là ne vont pas être exécutés et les gens vont sortir rapidement. Et hop, les autres vont se retrouver ben, coincés, quoi. C'est comme si je suis devant vous, on marche, et vous savez pas où aller, vous cherchez une direction. Et tout de suite, je vous dis, ben, moi, je vais à gauche avec une certitude. Vous allez voir, certaines personnes vont essayer d'anticiper et prendre ce chemin-là, alors que mon objectif, c'est d'aller à droite. Donc, c'est une façon de tromper les gens. Donc, après le spoofing, on va avoir du coup tout ce qui est trading haute fréquence. Donc, le trading haute fréquence, eux, ils sont aussi dans le spoofing là. Donc, beaucoup d'entreprises vont se servir d'algorithmes de trading. Donc, ils vont faire du trading haute fréquence. Ils vont passer des ordres. Vous voyez les ordres et hop, les ordres vont disparaître parce qu'ils veulent tromper les gens à prendre une direction. Donc, tout ça, il faut savoir que ça fait partie des manipulations du marché. Après le trading haute fréquence, on va avoir le front running. Donc, on appelle front running quand un courtier va prendre un ordre pour anticiper celui du client. Après le front running, tu vas avoir ben, du coup le délit d'initié. Donc, le délit d'initié, c'est un peu... Ça, c'est vraiment dangereux parce que, vous savez, c'est comme par exemple, je peux être, on va dire, un ami du fils du président de la Fed, Jérôme Powell, et je vais avoir accès à certaines informations. Donc, avant que ces informations-là ne soient publiées, eh bien, moi, je vais me servir de ces informations-là à des fins, ben, voilà, pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés boursiers. C'est vraiment puni par la loi, mais n'empêche, les gens s'arrangent pour faire ça. Donc, c'est ça le délit d'initié, avoir des informations avant les autres, avant leur publication, et se servir de ces informations-là pour gagner de l'argent sur les marchés boursiers. On va rentrer encore en détail si vous voulez dans une autre vidéo, mais pour aller plus vite, sachez très bien que tout le monde est manipulé là. On peut vous tenir et vous faire danser comme ils veulent. Quand on vous dit acheter sur internet, faites très attention. Ça ne veut pas dire simplement que le cours va monter. Ça peut être un piège. Donc, d'où viennent ces formateurs de trading? Je vais vous expliquer pour que vous sachiez comment les choses se passent. On va avoir dans un premier temps 90% des traders qui vont échouer. Et ceux qui vont échouer là, parmi eux, il va avoir 20% qui vont devenir des formateurs. Par contre, parmi les 90, ben, du coup, il y a 10%. Donc, il y a 10% qui vont devenir des traders gagnants. Donc, des traders qui ont réussi. Et parmi ces 10%, il va avoir que 1%. Et ben, ces 1% ne devient pas du coup formateur, devient plutôt enseignant. Maintenant, ça va être quoi la différence entre un formateur et un enseignant? Donc, en gros, l'enseignant va plus se préoccuper de l'avenir ou soit de la réussite de celui qui l'enseigne. Par contre, le formateur, il est là pour une mission. Il t'a formé. C'est bonne journée. Au revoir. Maintenant, comment distinguer l'un de l'autre? Nous, on va s'occuper un peu du mode opératoire des 20% qui ont échoué ici et qui deviennent formateurs. En gros, si vous voulez, quand quelqu'un a mis de l'énergie pour apprendre le trading à arriver à un certain niveau, si psychologiquement il n'a pas tenu le coup et que le marché lui a sorti du game, ben, il peut être très frustré, mais il a déjà les outils, il maîtrise déjà un peu l'analyse technique, l'analyse graphique, tout ce qui est autour du trading, il maîtrise.
Mais comme il n'a pas la psychologie qui va avec, eh bien, du coup, il a échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec les outils qu'il a en main? Alors, c'est comme ça, il va se dire, ben, ok, mais si je deviens un formateur, je pourrais mettre en place des techniques que je vais vendre et ça va me permettre de gagner de l'argent. Et je pourrais dire que je gagne de l'argent à partir du trading parce qu'on m'a payé pour mes services du trading. Donc, voici comment ceux qui ont échoué, donc parmi les 90, les 20% qui ont échoué, vont prendre ben, du coup du courage et se lancer sur Internet comme quoi ils sont formateurs pour pouvoir rentabiliser tout l'effort qu'ils ont eu à faire pour apprendre le trading. Donc, vous verrez, le mode opératoire est simple. Hein? On va vous montrer de l'argent que vous verrez. On va vous montrer des grosses voitures. On va vous montrer des belles maisons avec ben, piscine de préférence. Et tout ça, ce sont des choses qui vont vous attirer parce que tout brille. Vous allez être attiré et puis vous allez vous dire, ben, ça va, je vais devenir comme lui. Et ben, donc, voilà, je vais me lancer ou soit je vais acheter sa formation pour devenir comme lui. Vous savez pourquoi, en gros, j'ai tourné cette vidéo parce que avant-hier, ma femme m'a poussé à assister au masterclass d'un type là à Dubaï et j'ai été déçu. J'étais là, j'écoutais, il a commencé à faire son exposé, il continuait, il parlait et à un moment donné il a commencé à développer un sujet qui était une arnaque, mais une pure arnaque pour pouvoir attirer des gens, pour pouvoir pousser les gens ben, juste à acheter. En fait, ils sont très forts. Il y a une technique qu'ils mettent en place pour commencer à stimuler votre partie, votre cerveau limbique, pour que vous puissiez être très euphorique et acheter tout de suite. Parce que s'ils vous ont pas tout de suite pendant ou soit à la fin de la conférence ou soit du webinaire ou soit de la masterclass, eh ben, peut-être vous pourrez les échapper. Donc, il faut aller vite. Une technique de manipulation à grande vitesse pour que vous puissiez acheter. Donc, lors de cette masterclass, ils ont commencé à parler. Et là, j'ai constaté quelques anomalies. Et là, j'ai commencé à envoyer. J'ai envoyé un petit message. J'ai pas pu me retenir parce que c'est comme si je voyais un pêcheur lancer un filet de pêche dans la mer. Et moi, je vois des poissons qui se dirigeaient vers le filet. Du coup, je me suis dit, oh, il faut lancer un caillou pour permettre à ces poissons-là, en fait, c'était une façon de dire à ces poissons, attention, vous êtes en train de rentrer dans le filet du pêcheur. Et là, son équipe, ben, du coup, le type qui faisait la masterclass, son équipe m'a envoyé un message et ils m'ont dit, tu casses les couilles. J'ai dit, oh, et quand moi j'ai vu ça sur le champ, je me suis dit, mais pourquoi on me parle comme ça? Bon. Donc là, je dis maintenant, je suis le sniper sur les marchés boursiers pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de traiter avec un voyou. Et là, il m'envoie un autre message comme quoi, oui, voilà, je ne vais pas rentrer en détail, mais ils m'ont envoyé un message comme quoi, calme-toi, laisse-nous faire notre truc. Ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, bon, ouais, c'est bon, je les laisse parce que, ouais, faut pas. Si les gens eux-mêmes sont vraiment idiots et ils voient bien la stratégie qui est mise en place pour pouvoir les soutirer leur argent, il n'y a pas de problème, je vais quand même laisser, c'est pas grave. J'aurai un autre moyen pour pouvoir publier une vidéo où je vais bien expliquer pour que les gens sachent quand même où mettre les pieds. Quand vous allez rentrer du travail, que vous serez vraiment fatigué de votre travail, vous allez taper par exemple comment devenir riche à partir de rien. Donc, quand ils vont publier les vidéos, le titre, ça va être ça. Comment devenir riche en trading. C'est pour ça que j'ai mis ce titre pour pouvoir vous choper ici, pour vous ouvrir les yeux. Donc, pendant cette masterclass, il y a eu quand même pas mal de sujets qui ont attiré mon attention et je me suis dit, bon, si c'est ça, je vais tourner quand même une vidéo sur ce que les gens appellent le centime magique. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui publient des trucs comme ça. Regardez là, par exemple, on va avancer un peu la vidéo et vous allez voir, il va mettre un capital, par exemple, de... Allez, on avance encore un peu. Voilà. Ici, on a un capital de 150 €, vous commencez avec. Donc, objectif, tout ça, 5%. Si vous respectez bien votre money management et que vous tradez tous les jours sans une perte, voici en 260 jours ouvrables ce que vous allez avoir.
Je ne sais pas si je lis bien, mais là, moi, je vois en tout cas 48 millions. Je ne suis pas en train de dire que les calculs qui sont là sont erronés, mais en trading, ça n'existe pas. En trading, tu ne peux pas enchaîner tous les jours des gains. Ce n'est pas possible. Et là, quand on vous dit là que vous avez ça, si vous faites ça tous les jours, après, ça va commencer à monter. Donc, c'est l'effet cumulé, en fait. Tout ça, c'est de l'arnaque. Vous continuez, vous devenez millionnaire. Regardez, je vais vous expliquer juste deux réalités sur le marché. Admettons que le premier jour, vous commencez, c'est un lundi, et votre premier trade que vous avez pris, ben, vous n'avez pas eu raison et vous avez perdu, par exemple, 8 euros. Ou on va dire même ne serait-ce que 2 euros. Donc, ça veut dire que la prochaine position que vous allez prendre, il va falloir faire 10 euros. Sinon, vous êtes en retard. Et puis, en trading, tu ne gagnes pas tout le temps. Bon, donc ça, c'est ce qui est pour l'effet cumulé, ou soit d'autres vont appeler ça le centime magique et tout. Et on va poursuivre. Ne vous inquiétez pas, les formateurs, généralement, sont des magiciens. De vrais, vrais magiciens. Donc, ils savent en avance que vous serez rentable et combien vous gagnerez. Généralement, ils ont des formations super puissantes avec plusieurs modules et payables en plusieurs fois. Formation débutant, intermédiaire, avancé et VIP. Et généralement, quand tu assistes à leur webinaire ou soit, je sais pas moi, généralement quand ils vont sortir, s'ils voient que ça n'achète pas beaucoup, donc l'argent ne rentre pas, eh bien ils vont solder. Ils vont réduire leur formation à 50%. Vous vous dites, ben, ah oui, là, le prix a chuté, donc je vais profiter pour acheter. Je vais vous dire une chose, quand vous rentrez dans un magasin, prenez le temps d'observer attentivement ce qui est soldé. Que ce soit des chaussures, des habits, regardez bien. Pourquoi ils ont soldé? La plupart du temps, ce sont des choses que les gens n'ont pas achetées. Ils n'ont pas aimé. Et pour ne pas que ça reste en stock, donc ils vont solder pour pouvoir évacuer ce stock-là. Donc, si vous avez l'habitude de taper sur Internet comme quoi, comment devenir riche rapidement, vous trouverez forcément des charlatans qui vont vous donner une recette magique pour vous rendre riche. Si avant de vous lancer dans le trading, vous n'êtes rien, alors attendez de devenir quelque chose avant de commencer le trading. Je vous donne ce conseil parce que la plupart du temps, les gens commencent par une histoire. Comme quoi, ils étaient vendeurs de pizza, ou soit ils travaillaient chez McDo, ils faisaient un travail qui était vraiment pénible. Et un jour, pop, ils ont eu le déclic, comme par magie, et ils ont dit stop. Ils ont tout arrêté et ils se sont lancés dans le trading et ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est faux, c'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Ce que vous devez savoir sur le trading, c'est que le trading a un côté un peu stressant. Et ce stress est lié à vos finances. Donc, admettons que vous avez par exemple 1000 euros d'économie et vous décidez d'arrêter votre travail et vous lancez en trading avec 1000 euros. 90 ou même je dirais 100% de chances que vous perdiez cet argent-là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une pression psychologique financière. Vous savez que cet argent, ben, c'est tout ce que vous avez. C'est pour ça que je donne toujours ce conseil. Si vous êtes un boulanger, si vous êtes, je ne sais pas moi, un livreur de pizza, gardez humblement votre travail et faites du trading à côté. Parce que si vous laissez ce travail qui vous donne à manger et vous lancez complètement dans le trading, alors vous risquez d'avoir des surprises. Tous les snipers qui sont avec moi en ce moment, c'est le conseil que je leur donne. Faites du trading, mais ne devenez pas des traders. Le trading est un outil de développement personnel. Donc, faites-moi circuler cette vidéo pour ouvrir les yeux de ceux qui dorment encore. Donc, il faut éviter de suivre aveuglément les gens et surtout ouvrir les yeux. Avant de terminer, vous devez savoir que le trading ne sera jamais du prêt-à-porter. Mais du sur-mesure. Je vous dis à bientôt. C'était le sniper sur les marchés boursiers. Ciao, ciao.